Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien Oui, maintenant? ça va. Oui, ça va. D'accord. Pas plus, ça va. Donc, qui reste? Alors. En matière. Maîtresse? Oui, Nouriane. Non, c'est madame HDD. Ah, d'accord. Passe. Oui, Hamad. Maîtresse, tu vas lire le texte. On va expliquer le texte, mais on va voir qui reste. Donc, il n'y a que Ali, Mohamed, Latifa, Nouran. Il y a Chaza aussi. Dans elle, l'internet chez Chaza. Chaza, c'est pas bien. Elle n'a pas de l'internet. Donc, il y a Bilal. Une minute. Donc, on attend un peu pour que les autres. Donc, on continue. Oui. Alors, je ne peux plus attendre les autres. Je veux continuer tout de suite, d'accord? Alors, suivez avec moi. D'accord, maîtresse. Donc, on a déjà commencé par le texte. Je veux reprendre. Suivez avec moi. C'est très important ce que je viens de dire, d'accord? D'accord. Alors, au collège, pendant les 2 premiers mois, je fus entièrement dépaysée. On a dit que le narrateur est interne parce qu'il a employé le pronom personnel je. On a dit qu'il était entièrement dépaysé parce qu'il est peut-être nouveau à l'école. On a dit dépaysé, c'est quoi? C'est-à-dire perdu. Maîtresse, perdu. Donc, ça veut dire perdu, n'est-ce pas? Alors, Clara, Oui. qui m'a appelé? Maîtresse, je veux dire perdu. Oui, Mohamed. Je veux dire que perdu. Ah, d'accord. Alors, tout d'abord, dans cette caserne secondaire, donc, où se trouve-t-il? On a dit qu'il se trouve dans une. Dans une seconde. Caserne secondaire. Secondaire. On a dit, on va lire, que veut dire caserne secondaire dans le lexique. Donc ici, on peut dire où. Donc, il se trouve dans une caserne secondaire. Ça veut dire où. N'est-ce pas? Oui. Donc, je n'arrive pas à faire ça. Oui. À cette année, tu veux faire un tableau, oui, qui est quoi, quand? Oui, mais on a déjà fait en travaillant l'illustration. C'est oralement. Alors, donc, regardez combien de fois le pronom personnel je doit être répété dans le texte. Alors, que veut dire caserne secondaire? Désigne ici les cycles collège et secondaire. Alors, donc, les élèves se trouvent au cycle secondaire. Peut-être en seconde, en bac ou bien en terminale. On ne peut pas savoir, mais c'est le cycle secondaire. Donc, je n'étais plus le fils Oui. de Joseph. Oui. Petit garçon que tous les maîtres tutoyaient et qui jouait le jeudi ou le dimanche dans la cour déserte de l'école. Donc, que vient de dire le narrateur à propos de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, qu'est-ce qu'il était en train Quoi? de dire? Donc, il dit qu'il n'était plus le fils de Joseph. Qui est le fils de Joseph? C'est-à-dire, c'est lui-même, le Oui. narrateur. Le petit garçon que Oui. tous les maîtres tutoyaient. Donc, maintenant, il est passé à un autre cycle. Il n'est plus dans le petit cycle ou bien dans le cycle où il était avant. Ce qui caractérise ce cycle que tous les maîtres tutoyaient et qui jouaient le jeudi ou le dimanche dans la cour déserte de l'école. Donc, avant, dans le cycle où il était. Il peut jouer, il était le fils de Joseph. Peut-être
Peut-être Joseph, c'est un professeur ou bien c'est un maître à l'école. Donc, parfois, par exemple, comme Mohamed Damage, sa maman est à l'école, n'est-ce pas? Donc, Oui. peut-être on peut dire, oui, Mohamed Damage peut faire ce qu'il veut parce que sa maman est une maîtresse à l'école, n'est-ce pas? C'est ici le même cas pour le fils de Joseph, qui est le narrateur. Donc, Joseph, c'est peut-être un maître à l'école et le petit garçon, c'est-à-dire qui est le narrateur qui emploie le pronom je, et son fils. C'est clair? Donc, il dit Je qu'il sais n'était pas, plus le fils tant de pis. Joseph parce qu'il a changé de lieu. Il n'est plus au cycle primaire, il est maintenant au cycle secondaire. Donc, comme vous, vous êtes passé de la classe de 6e à la classe de 5e, n'est-ce pas? Oui. Mais Donc, c'est quoi le fils de c'est-à-dire le garçon de Joseph? Joseph, le petit garçon que tout le maître tutoyait et qui jouait le jeudi ou le dimanche dans la cour déserte de l'école. D'accord? Maintenant, Maîtresse? regardez. Donc, il a dit comment il était avant et maintenant comment il est. Oui. Maîtresse? Oui. C'est-à-dire, non? Oui, mais s'il vous plaît, ne parlez pas en arabe. Oui, maîtresse. Alors, je continue. Donc, il a évoqué ou bien il a raconté comment il était avant, il était qui, il avait passé son école ou bien comment. Maintenant, on va voir comment il est devenu. D'accord? Oui, Donc, regardez. d'accord. Maintenant, j'étais. Donc, regardez combien de fois le pronom je Allez. est répété. J'étais à l'étranger chez les autres. Donc, il a changé. Il n'est plus au cycle primaire. Maintenant, il est au cycle secondaire. Donc, tout va changer selon lui. Donc, je veux vous donner un exemple. Par exemple, lorsque vous étiez en sixième, est-ce que vous avez appris ou bien est-ce que vous apprenez la biologie, la chimie et la physique? Non, Oui. non, Non, en sixième, non, non. Mais maintenant, en sixième. lorsque vous êtes en Non. cinquième, donc vous avez commencé à apprendre la physique, la chimie, la biologie, ainsi de suite. Donc, Non. c'est quelque chose, dès le début de l'année, que vous avez trouvé quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Oui. Donc, ici, le Oui. narrateur qui emploie le pronom je nous raconte une nouvelle épisode de sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il a passé du primaire au secondaire. Que s'est-il passé avec lui? Qu'est-ce qu'il a trouvé de nouveau? Donc, on va voir lorsqu'on continue la suite du texte. Donc, vous avez compris l'idée de ce que parle ce texte? Donc, c'est quoi ou Oui. bien de quoi on va parler ou bien de quoi le narrateur va-t-il parler? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Oui, Oui, demoiselle. jusqu'ici. Oui, allez. Je fais comme toi, je souligne, je entoure Oui, c'est pas grave. le Moi, j'aime faire cela pour que l'idée soit très claire devant vous. J'aime faire des flèches, oui. souligner, entourer. C'est comme ça que j'aime expliquer un texte pour que tout ça C'est bon soit pour nous, massif. D'accord? Alors, je continue. Oui. Monsieur peut expliquer deuxième fois de maintenant à des autres, car je Oui, n'ai pas entendu. je suis en train seulement de. Donc, maintenant, on a dit Nourhal qu'il a déjà parlé comment il était avant. Maintenant, il va commencer à nous dire où il est, qu'est-ce qu'il a changé, je ne sais pas quoi, on va continuer. Donc, maintenant, j'étais à l'étranger chez les autres. Donc, il n'est plus le fils de Joseph, il n'est plus avec son papa. Au cycle primaire, maintenant il est chez les autres. Donc il n'est plus le fils de Oui. Joseph maintenant. D'accord? Il est Oui. dans un autre établissement, il est dans un nouveau cycle. Je n'avais plus ma classe, mon pupitre. Donc je n'avais plus ma classe, donc il avait une classe propre et Non.
Mon pupitre. Donc, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Donc, toujours, il utilise les phrases négatives, vous voyez? Oui. Donc, regardez, il utilise ne, ne plus. Ici, il a utilisé aussi ne plus, n'est-ce pas? Donc, comment j'appelle ces phrases? Donc, ce sont des phrases à la forme. Donc, on a employé des phrases à la forme quoi? Négative. On a employé ne ou bien un apostrophe plus. Donc, on va voir s'il y a d'autres formes. C'est-à-dire ne pas ou bien quoi? Oui? Bon, il utilise les comme je, il pour ne pas répéter le même nom. Oui. Oui. Pour éviter la répétition, c'est-à-dire. Oui. Donc, on a employé des phrases à la forme négative. On a employé ne, un apostrophe plus. Donc, faites très bien attention. Tout ce que je suis en train d'expliquer maintenant, ça va passer avec nous dans les questions qu'on va travailler plus tard. Donc, il n'avait plus ni sa classe, ni son pupitre. Rappelez-vous, lorsque vous étiez dans les petites classes, ça veut dire en petite section et en moyenne section, chacun de vous, par exemple, a son casier, n'est-ce pas? Il a sa chaise, son pupitre. Donc, vous avez une classe unique pour vous, n'est-ce pas? Donc, maintenant, lorsqu'il a changé, lorsqu'il a passé à un nouveau cycle, donc, il n'avait plus sa classe ni son pupitre. Donc, tout a changé. Donc, je continue ou bien quelque chose n'est pas clair? Tout est clair. Très bien. Nous changeons sans cesse de local. Donc, le « nous », ça renvoie à qui? Le pronom personnel « nous », ça renvoie à qui, à votre avis? Le « nous ». Maîtresse? Oui, Mohamed. Pour les maîtres? Lis bien la phrase. Nous changeons sans cesse de local. Ah, maîtresse? Maîtresse? Pour les élèves? Très bien, Bilal. Donc, c'est le narrateur et ses amis, ou bien ses camarades. Donc, moi, il parle de lui-même et de ses camarades, donc il emploie le pronom « nous ». Oui? Oui, maîtresse? Oui? Je n'ai pas dit « moi ». Moi, je dis « toi, tu as dit bravo, Bilal ». Moi, je dis « ah, c'est Mohamed, d'accord, pardon ». Moi, je ne vois pas ce qui est en train de parler, d'accord? C'est pour cela. Alors, ici, mais le mot « parle-toi ». Au narrateur, donc le nous, donc je veux écrire le narrateur et qui? Et ses amis, c'est-à-dire ceux qui sont avec lui en classe. Claire? Mais c'est-à-dire le narrateur, c'est les élèves, n'est pas le professeur. Non, ce n'est pas le professeur. Le narrateur, c'est-à-dire celui qui emploie le pronom « je ». Oui? Oui. Donc, je et ses amis, j'emploie quel pronom? Nous. Donc, le nous renvoie au narrateur et à ses amis, n'est-ce pas? Donc, est-ce que Jadam est votre camarade? Non, c'est en anglais. C'est en anglais. C'est en anglais. Dans l'anglais. Alors, je continue. Donc, ouvrez les caméras, tout le monde. Nous changeons sans cesse de local et les pupitres n'étaient pas à nous. Donc, ils ont tout changé. Ils n'ont plus leur pupitre ni leur classe. Car ils servaient aussi à d'autres dont nous ne savions pas grand-chose. Alors, les pupitres ne sont plus leurs pupitres. D'accord? Je continue? D'accord. Jusqu'ici, tout est clair? Oui. Normalement, je ouvrez les caméras. Je ne veux pas dire à chaque fois ouvrez les caméras. Je veux vous voir.
Allez-y, vite. Donc, vous êtes peur. Vous arrêtez à ce stade pour vous dire ouvrez les caméras, n'est-ce pas? Oui, demoiselle, tu peux répéter ça? Oui, Ali. Quand tu parles, ton voix se coupe. Alors, donc c'est de chez vous, Mohamed Damaj, il n'a plus de connexion. Bilal aussi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, nous, on a dit le nous désigne le narrateur qui emploie le pronom personnel je et ses amis donc qui sont avec lui en classe. C'est clair? Oui. Donc, oui, clair. Maintenant, regardez ou bien faites attention à la comparaison qu'il va faire avec. Avant, qu'est-ce qu'il avait? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? Au lieu d'un maître, j'avais 5 ou 6 professeurs. Donc, vous avez remarqué, lorsqu'on a pris la différence entre maître et professeur. Oui. Donc, qui peut me rappeler que veut dire un maître ou bien quelle est la différence entre un maître et un professeur? Oui, Ali. La peur. Dans un maître, c'est par exemple de EB1 jusqu'à EBS, mais le professeur, c'est pour le second terminal, l'université, comme ça. D'accord, donc on va revoir si c'est correct. On va relire quelle est la différence entre un maître et un professeur. Non. Alors, regarde.